Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Hearthstone, l'épisode 3 en compagnie d'Épéfort. Précédemment, nous avons été légèrement attaqués par plusieurs entre mages, je crois, prêtres, guerriers. C'était mortel. Sinon, y a beaucoup de E, hein, fait chier. Nous allons continuer justement notre parcours afin de voir si un jour, oui ou non, nous pourrions vaincre pour une fois. Alors, est-ce qu'il y a du monde en ligne? Non, il n'y a pas de monde. Hop là. Allez, je retrouve une partie, puis je vous reprends d'ici là. Bien sûr, avec le deck mage. Sinon, c'est pas drôle. J'ai refait un petit peu mon deck. Cependant, j'ai fait quelques parties en compagnie de Juju, hors caméra, hein, je me suis fait laminer au sixième tour, normalement. Si c'est bien ça, je me suis fait laminer au sixième tour. Il a un deck très puissant. Sérieusement, il est très puissant son deck. Faut jouer à la défensive, mais en même temps à l'attaque. Ah, cool. Je joue contre ma sœurette. Ma magie va vous mettre en pièces. C'est des bonnes cartes. Je vais garder. C'est des bonnes cartes. Je vais lui dire bonjour quand même. Bonjour. Merci. 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 Mais de rien. Mais tu vas me donner ma menace? Putain, ils l'ont bloqué ou quoi? Bon, bah tant pis. Allez, on va faire un petit coup. Hop là. Ma magie va vous mettre en pièces. Et lui, il va dire, ma magie va vous mettre en pièces aussi. Ma magie va vous mettre en pièces. Ah non, tu vas pas jouer comme moi. Charge. Waouh, j'ai eu un petit freeze. Petit freeze, Mr. Freeze. Ouh. Putain, je suis en forme. J'aime bien péter les carreaux. J'éteins les lumières. Waouh, cool. Refuge 3 points. Pipule. J'aime bien cette carte là. Bon, généralement la carte que je viens de jouer, il faut généralement pas la mettre au début. Quoique, ça dépend s'il a des grosses cartes directement. D'accord. Ça veut dire qu'elle a un 5, donc forcément. Ok. Handler, cette carte là, il faut la bousiller directement. Parce que si on lui donne un dégât, elle prend plus 3 en attaque, donc forcément ça veut dire qu'elle a 5. Et 5 ça peut faire mal. Oups. Hein, parce que. Voilà. J'avais que ça à faire. En même temps, charge. Celle-là, je voudrais bien la garder parce qu'elle rend plus de tout le monde. Waouh, c'est quoi cette carte? Chaque fois que vous lancez un sort avec un apprenti de 1-1. Ok. Demander un docteur. Y'a rien. Pas que j'aurais dû le faire là-dessus. Inflige un point à tous les serviteurs, mais j'ai pas très envie maintenant. Oups. Mais oui, ma belle bête bouge. Waouh.
Waouh, waouh. Putain, il m'a infligé beaucoup. Oui. Bah, 6 points, mais c'est toujours 6 points. Ouais, je sais plus. Bah. Je suis désolé pour ta carte. Waouh, 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 waouh. Wow. Nous devons purifier. Waouh, waouh, waouh. Oups. Aïe. Aïe. Ah. Alors, Oups, hein. Ah, Re-oups. J'avais complètement zappé. Eh ah, bah voyons. Ah non, elle a pas fait son cri de guerre. D'accord. Je suis désolé. Ouais, ouais. Ma magie va vous mettre en pièces. Mmh. Préfère assurer mes arrières. Portes sont ouvertes. Normalement, il doit connaître la carte. Parce qu'il est aussi mage. Donc, Ok. Bon. Bon bah. Bon bah. Bon bah, il m'a niqué. Encore une fois. Bon. Bon bah. Bon bah, tant pis. Bon bah, voilà, c'est tout. Ah, il y a beaucoup de bon bah, mais bon. Bon bah, du coup. Oh putain, j'en ai marre de le dire, bon bah. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Voilà, c'est mieux, hein, bizarrement. Et puis on se redonne rendez-vous pour un autre épisode sur Hearthstone prochainement. Donc évidemment. Aussi, il y a une chose que je veux vous dire, parce que cet épisode, lorsque je tourne demain, vous l'aurez directement, puisque j'ai un petit jour de retard normalement sur l'épisode. Si vous me suivez sur Twitter, justement, il y a il y a un message que j'avais posté comme quoi j'avais recommencé FTT, Feed the Turtle. Bon, entre parenthèses, Feed the Beast, mais pour moi. Nous avons recommencé le modpack entier. Nous sommes plus à 1.5.2, mais nous sommes à 1.6.4 maintenant, du fait que les mods sont pas à jour en 1.7.2. Même Optifine n'est toujours pas à jour. Bon, en même temps, ça a tellement changé au Minecraft que pour tout refaire, je les comprends, ça soit dur, mais quand même. Sinon, je veux pas m'intégrer directement dans toutes les... comment ? En même temps, tiens, je vais jouer en même temps. Ça vous fera un épisode bien plus grand. Comment dire ? On refait tout, sauf que je veux pas me mettre directement dans toutes les grosses machines. Bon, certes, Greg Tank nous facilite pas du tout la tâche, oui, bien sûr. La tâche. Donc du coup, je vais à ma manière. Demain, je tourne justement l'épisode. Donc quand vous aurez l'épisode là, bah ça sera aujourd'hui. Je compte faire quelque chose de très grand. Oh, un prêtre, youpi. Ouais, ouais, c'est ça. Vous l'avez cherché. Moi aussi, je t'aime. Putain, c'est des grosses cartes en plus. Donc du coup, je vous ferai des épisodes petit à petit. En même temps, je ferai... Pardonnez-moi. Je ferai... Oh, c'est pas mieux comme carte. Je suis quoi que c'est un peu plus faible, mais c'est dur quand même. Comment ? On va lui dire bonjour. Bonjour. Je voulais dire un truc, je ne sais plus. Oui, en tout cas, je vous ferai en même temps que je tournerai, bien sûr. Je tournerai en temps réel, c'est-à-dire comme... Je ferai un petit peu comme le LP de Pierre. Dire que lui il est plus dans la Hearthstone, moi aussi ça sera dans la Hearthstone mais version modée, donc c'est un peu plus délicat.
Quoique c'est peut-être pas délicat vu que le mode avec la redstone ça peut s'accrocher au mur, ça c'est génial. Mais bon, c'est les modes qui sont compliqués. Et, vous expliquerez aussi comment faire parce qu'on a mis Industrial Craft 2.0. C'est la nouvelle version et elle est dure. Tout a changé, hein. Vraiment tout, vous verrez en temps, temps et en heure. Je ne sais pas si ma com le permettra. Oh, c'est à moi. J'ai complètement zappé. Désolé. Mais comment dire. Verrez si ma com le permettra, c'est de faire des lives des fois le soir. Alors, je pense que ça risque de laguer un beau chouïa, même si je suis en 360, puisque vu que c'est des versions modées et j'ai en plus le pack. Le pack en plus, donc ça risque de faire un peu de le chouïa lagué. Je dois réfléchir. Je verrai bien. Je ferai des tests en version solo, déjà. Normalement, il n'y a aucun souci, mais je verrai. Je verrai, je verrai. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse FTT. Voilà, donc on continue justement sur Hearthstone avec un prêtre devant. Je pense que il va me mettre ma saratlée, c'est une mémoire. Douleur, suce-moi tes mots à l'oreille. Ouais, si tu veux. Hein. Wouah, un point. Oh, c'est cool. Attends, il a quoi lui? Pêcher une carte à chaque fois que ce serviteur. Oh! Vas-y, pioche ta carte. Peut-être essayer de faire justement le truc, c'est que je l'attaque petit à petit. Petit à petit, comme ça, il pioche de plus en plus de cartes. Puis à la fin, je sais que les cartes, ça peut faire mal. Mais en même temps, c'est un deck prêtre, donc nous devons purifier le puits de soleil. Ouais, aussi. La la la. Pas bien sûr. Pam 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 pam. Oh, t'es tout cuit. Oh. Bah c'est con. En même temps, je lui donne des possibilités parce que je lui donne de plus en plus de cartes. Mais ça a double tranchant. Ça peut être bon comme mauvais. Faut pas chercher longue défense. Sauf qu'en ce moment, c'est un petit peu mauvais. Quelqu'un est blessé. En même temps, si j'ai la carte qu'il me faut, bah ça m'arrangerait. Ça l'a bouffé un tour quoi. C'est pas plus mal là. Bam, 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 bam. En bas. J'assure mes arrières. Bon, en même temps il a le champ libre là. J'ai pas mis de bête sur le... Oh, j'aurais pu mettre la provocation. Provocation sur les T4, mais j'aurais pas eu assez de points pour buter le sanglier. Donc. Comment tu vas jouer? Je dois réfléchir. Oh, réfléchir, réfléchir. Wouah! Wouah! Les cartes qu'il a pioché. J'en ai 21, il en a plus 13. J'aurais préféré une autre carte, bizarrement. Aïe. Je dois choisir vite. Aïe. Et encore aïe.
J'ai 6 points. Bazingo. Eh ben non. Eh ben non. Tu m'auras pas une deuxième fois. Celle la prochaine, je te fais sauter quelques cartes, si tu te les soignes pas. Normalement, avec toutes les cartes que tu dois avoir, tu dois être... T'auras une possibilité de le faire. Je dois réfléchir. Bon, t'as déjà les deux qui sont sur la gauche qui ne seront pas détruites, directement. Par contre, celle qui est tout à gauche, si je mets le truc, je mets la provocation dessus, elle saute. Maintenant, elle saute plus, en fait. Mais pas si coque, elle saute parce que j'ai mis 4 points pour tout le monde. Quelqu'un a demandé un docteur. Bon. Je suis désolé. Alors, ça c'est fait. Je vais pas faire la mission suicide. Par contre, elle donne beaucoup de points, donc. Ouais, mec. Oh, voilà. Si je pétais celle-là, on s'en ferait moins 2. Par contre, lui, il aurait eu un plus 6. Et ça m'aurait fait peut-être un peu mal. Peut-être. Hein. Bah, peut-être, c'est même sûr. Ça m'aurait fait très mal, surtout. Pour Nazjata. Ah, bizarrement, c'est la carte OG que j'avais. Waouh! Waouh! Allez! Aïe. Bon, c'est bon, t'as fini ton petit tour là? Parce que. Ah oui, des fois sur une partie, je peux ne rien dire, parce que je suis très concentré, mais une partie que j'avais pas fait en tournant, c'est qu'à la fin, on avait but de carte nous deux, j'avais l'avantage jusqu'à ce qu'il sorte une grosse flamme, une boule de flamme à 10 points, et puis là, bah j'étais rasé, hein. J'ai fait jusqu'au bout, histoire de voir, waouh, de voir un petit peu, waouh. Cinq, neuf, dix, onze, quinze, un. Non. Quoique, un point, ça peut toujours faire un point. Trois, six, huit. Ah. Oh bah, bien joué. Bien joué. Bon bah attends, c'est encore une défaite hein. Oh t'aurais pu troller juste pour le mouton, voyons. Mais bon, tant pis. Itachi, j'ai déjà combattu, je crois. Ou j'ai vu sur le live d'As2 en tout cas. Mais bon, c'est. Voilà. Bon bah sur ce messieurs je vais vous laisser. J'espère qu'une prochaine fois je me combattrai contre As de Pique. Je l'ai justement mon ami et je voudrais voir. Bah disons que je sais comment il joue, sauf que je voudrais le filmer, juste histoire de voir comment il joue. Puis voilà. Bon bah sur ce messieurs, dames, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une excellente journée. Pour moi c'est pas fini, et je vous dis à une prochaine vidéo de Hearthstone. Salut tout le monde!